toute façon, il fallait attendre la nuit. Ah oui, mais s'il sort pas de chez lui... Oui, ça, ça m'étonnerait. C'est une habitude qu'il a. Chaque dimanche soir, il sort faire une promenade à pied dans la rue, d'une heure environ. Après, il rentre tranquillement chez lui. Jésus. Oui? C'est bientôt l'heure. Ouvre ta portière doucement. Tiens la poignée. Ok. Quelle heure as-tu? Presque 10 heures. Eh ben heureusement qu'à cette heure-ci, c'est pas trop passant comme endroit. Bon, on aurait trouvé un autre moyen. Le voilà, il sort de chez lui. J'y vais. Pardon, monsieur, vous n'auriez pas le feu, s'il vous plaît. Mais certainement. Oh! Allez, vite, vite! Aide-moi à le tirer! Vite, foutons le camp! Bravo, Jésus, tu n'as pas perdu la main. Ah, je l'ai eu, le coup du lapin. Hein. Classique, mais efficace. Il suffit de viser juste. Comment est-il? Ah ben, il respire normalement, il va pas tarder à se réveiller. Hein? Il revient à lui. Rameur! Rameur, on va faire un long voyage tous les trois. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas le début, mais la fin d'une histoire. La fin d'une mission que nous avions entreprise, Jésus et moi, en Amérique du Sud. Cette aventure, cette odyssée ne date pas d'hier, mais très exactement de 10 ans. Et elle fut une des premières missions à marquer le commencement de notre collaboration à Jésus et à moi en tant qu'équipe action des services secrets français. 10 ans déjà. 10 ans en arrière. 1955. À cette époque-là, la chasse aux criminels de guerre nazis battait encore son plein et les services français n'étaient du reste pas les seuls à s'en occuper. Les échos de la dernière guerre mondiale n'étant pas encore éteints, loin de là. Je me souviens parfaitement de cette mission. On nous avait signalé à Paris des allées et venues suspectes de l'autre côté de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Équateur. En particulier, on aurait retrouvé la trace à Buenos Aires d'un certain Heinrich Kramer, colonel SS, responsable de la mort de plusieurs centaines de milliers de Français. Et ce Kramer, on tenait à le récupérer mort ou vif, vif de préférence, pour le juger sur notre sol, sur les lieux mêmes de ces crimes. Jésus et moi, nous parlons couramment l'espagnol, et c'est tout naturellement que le vieux, notre patron au service, avait pensé à nous expédier en Argentine. C'est curieux, les voyages. Quelques heures dans un avion, et tout change, tout. Nous étions en plein mois de juillet. À Paris, c'était l'été, à Buenos Aires, avec le changement d'hémisphère, nous tombions en plein hiver. Un hiver... Il faut cependant le dire très différent d'une autre, un hiver qui ressemblerait davantage au printemps parisien ou alors à certains beaux jours de l'automne. Jésus et moi, nous nous sommes installés au Plaza et nous avons commencé notre enquête. Bien entendu, il n'était pas question de griller nos correspondants et informateurs locaux et nous n'avons eu sur place qu'un seul contact, un seul entretien avec le responsable de l'antenne argentine de notre service. Celui-ci nous a livré tous les renseignements qu'il possédait. Il y avait 99 chances sur 100 pour que Kramer se cachât à Buenos Aires. Mais il restait à le dénicher. D'autant que les exilés nazis vivant sous de fausses identités étaient nombreux dans la capitale argentine et qu'il ne fallait surtout pas se tromper de bonhomme. Heinrich Kramer était né à Cologne le 18 décembre 1903. Nazi de la première heure et resté fidèle jusqu'au bout à Hitler... jusqu'au moment de disparaître, de se volatiliser littéralement à la débâcle allemande. Marié, sans enfant, Heinrich Kramer avait en effet contracté mariage le 10 juillet 1935 à Berlin avec une certaine Gertrud von Unziger d'une dizaine d'années sa cadette, puisque née à Mannheim le 21 décembre 1912. Chose également curieuse, Madame Kramer née von Unziger avait également disparu sans laisser de traces à la fin de la guerre. Et nul n'avait plus jamais entendu parler d'elle.
Le couple avait réussi à s'enfuir et à se cacher quelque part sur la planète. Ce « quelque part dans le monde » était-il la capitale argentine? C'était à nous, Jésus et moi, de nous en assurer. D'après notre antenne de Buenos Aires, trois hommes, trois ressortissants d'origine allemande, correspondaient au signalement d'Emmerich Kramer. Emmerich Kramer étant maintenant en 1955 un homme donc de 52 ans. Eh bien, la tâche n'était pas aisée, non, car les dernières photos du colonel SS dataient de 1945 et en 10 ans... Hélas, un homme peut beaucoup changer, bah, surtout s'il y tient. Tenez, pensez par exemple au progrès de la chirurgie esthétique et à l'usage qu'on peut en faire. Il ne fallait donc pas tellement se fier au visage. Mais nous avions deux atouts pendant main, la corpulence. Bah, la chirurgie esthétique ne peut pas faire d'un géant un nain, et vice-versa, non? Kramer était très grand et très large. En second lieu, un détail physique important, l'ancien SS boitait, enfin plus exactement... Suite à une blessure de cheval, Kramer boitillait légèrement de la jambe gauche. Les trois ressortissants d'origine allemande suspectés par nos collègues de Buenos Aires avaient la même corpulence de lutteur forain que Kramer et tous trois également souffraient d'une légère claudication. Les trois hommes prétendaient s'appeler respectivement Franz Gebhardt, Dieter Schmidt et Ludwig Müller. Ça allait être à nous, Steve et moi, de faire le tri. L'un des trois était probablement l'ex-Obersturmbannführer Emmerich Kramer. Bon, par qui commence-t-on? Eh bien, l'ordre de la liste, on verra après. Le premier de ces messieurs, Franz Gebhardt, rue Florida. C'est en plein centre commercial à deux pas d'ici. Bien, on y va à pied. Et l'accent? Tu y as pensé, toi, à l'accent? Enfin, quand tu te trouves en Suède, tu sais, toi, faire la différence entre un Espagnol et un Italien qui tous les deux parlent comme toi, c'est-à-dire en suédois? Bah, non, évidemment, oui. De plus, il y a en ce moment tellement d'étrangers à Buenos Aires que c'est sans accent qu'on se ferait repérer. Allez, viens. Monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Voir, regardez. C'est pas défendu. Oh, mais c'est à cet usage que tout ce qui est ici est destiné. Être vu et éventuellement vendu. Vous êtes spécialisé dans une époque? Le 18e siècle français. Ah, j'ai une très belle table Louis XV. Venez par ici. Oui, pardon. Et tenez, à côté, cette petite merveille de commode Louis XVI. Oh, très jolie, en effet. Ah oui, c'est ravissant, mais c'est authentique? Oh, monsieur, toutes les pièces de ce magasin sont authentiques et certifiées, monsieur. Non, ça n'était pas pour vous froisser, excusez-moi, mais vous savez, comme moi, il y a si peu d'antiquaires à Buenos Aires, je veux dire, de véritables antiquaires. Oui, c'est un de nos amis qui nous a conseillé de nous adresser à vous. Il nous a dit, allez chez monsieur Gebhardt et vous ne serez pas déçus. Au fait, vous êtes bien monsieur Gebhardt. C'est moi-même, en effet. Eh bien, c'est un fait qu'il y a vraiment de jolies choses chez vous, monsieur Gebhardt. En particulier, beaucoup de mobilier précieux du XVIIIe siècle français. Vous êtes d'origine européenne, monsieur Gebhardt? Je suis argentin, naturalisé depuis cette année. Mais si c'est ce que vous voulez dire, oui, j'étais... Auparavant, j'étais allemand. Et vous, messieurs, vous êtes français? Non, italien. Oui, nous sommes italiens, mais nous aimons beaucoup les meubles anciens français. Et longtemps que vous êtes installé ici, monsieur Gebhardt? Cela va faire bientôt 10 ans. Oula. Et vous êtes tout seul pour vous occuper d'une aussi grande boutique? C'est immense. Je n'ai pas toujours été seul. Mais je le suis, hélas. Oui, depuis que Greta a été rappelée à Dieu. Une maladie de cœur. Veuf. Oui, Greta était ma femme. Et vous vous êtes exilé avec elle? Oh oui, ma femme ne me quittait jamais. C'est elle surtout, voyez-vous, qui a eu l'idée d'ouvrir ici un magasin d'antiquités.
Elle s'y connaissait beaucoup mieux que moi. Je n'ai pas toujours été antiquaire, moi, monsieur. Ah bon, non, laissez-moi deviner. Ne me dites pas, non. Vous étiez officier, c'est ça ? Oh, non, monsieur, ni officier, ni même soldat. Je n'ai pas fait la guerre. J'ai été réformé. Je suis un infirme, monsieur, à la suite d'un accident d'auto en 1937. Ah. J'ai une jambe plus courte que l'autre. Je boite et, Dieu merci, j'étais inapte à tout service actif. Et quelle était votre profession en Allemagne ? J'enseignais le droit à l'université de Berlin. Ah bon ? Et jusqu'en 45 ? Ah non, monsieur, pas jusqu'en 45. Non, je ne suis pas de ceux qui se sont exilés en 45 ou en 46. Je n'ai pas fui mon pays à la débâcle. Je n'ai jamais été un nazi, moi, monsieur. J'ai fui l'Allemagne en 1943. J'ai fui le régime hitlérien. Oui, je comprends ça. Avec ma femme, Greta. Facilement ? Pardon ? Vous avez fui facilement ? Oh non, monsieur, ce n'était pas facile. Les intellectuels, surtout ceux qui n'appartenaient pas au Parti National Socialiste, étaient très surveillés. Non, j'ai dû d'abord partir seul, en Suisse. Quelques mois après, Greta m'a rejoint. De là, nous nous sommes rendus en Espagne. Ah oui, en Espagne. Nous y avons vécu un an environ. Et puis, nous avons décidé de venir nous établir ici, en Amérique du Sud. Mais je comprends pas, pourquoi vous n'êtes pas resté en Espagne ? Oh, ma femme pensait que la vie serait plus facile dans un pays neuf. Oui, c'est ça. Et qu'éloignés, nous oublierions peut-être plus vite les années de tyrannie et d'enfer que nous avions vécues sur le sol de notre malheureuse patrie. Alors, monsieur, vous avez fait votre choix ? La commode Louis XVI vous tente-t-elle toujours autant ? Ah, elle est très belle. Oui, très belle, en effet. Mais si vous le voulez bien, nous reviendrons, nous allons réfléchir. À votre service, messieurs. À bientôt, monsieur Guéba. Au plaisir, messieurs. Au revoir, monsieur. Évidemment, il est grand et fort, jusqu'à la claudication qui, si j'ose dire, qui marche. Oui, enfin, c'est quand même mince, non ? Non, oui, c'est mince, mais on peut tout de même pas kidnapper un type sur d'aussi vagues présomptions. Remarque bien qu'entre la photo de Kramer en 1945 et l'aspect de Gebhardt, il n'y a pas une terrible différence. Oui, mais il n'y a pas non plus de ressemblance frappante. Ah, eh bien, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jésus ? Ben, moi, je pensais surtout au baratin qui nous a fait. Tous des enfants de cœur, t'as vu. Il n'a pas été nazi, il a fui le régime hitlérien, etc., etc. Tiens, je te parierais même que sur le lot, il y en a un des trois qui va se faire passer pour le grand rabbin. Il est trop tôt pour dîner. Eh bien, entrons dans ma chambre. Je vais demander qu'on me fasse monter deux scotch. Là, c'est pas bête, ça. Passe. Oui. Haut les mains, messieurs. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une plaisanterie. Haut les mains. Et plus vite que ça. Mais ne vous énervez pas, on obéit. Et pas un geste, sinon je ne réponds de rien. J'ai la détente ultra-sensible. Bon, on vous croit. Mais à propos, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé de chambre ? Personnellement, je ne crois pas vous avoir jamais été présent. Justement. Qui êtes-vous ? Deux paisibles touristes. Des touristes. Des touristes qui se promènent comme vous avec une artillerie complète sous le veston ne sont apparemment pas si pacifiques que ça. C'est-à-dire c'est pour se défendre, pas pour attaquer. Qu'est-ce que vous cherchez ? Nous ? On ne cherche rien du tout. Alors qui cherchez-vous ? Et que dites-vous ? Je dis qui cherchez-vous ? Je ne vois pas ce que... Vous êtes français ? Oui. Moi, britannique. Enchanté. Bon, vous pouvez baisser les mains. Merci. Ouais, mais c'est pas trop tôt. Bon, au moins, donnez-moi l'assurance. Mais quelle assurance ? Jurez-moi que vous ne cherchez pas von Krain. Ah, oh, ça, je vous le jure. Parfait. Au revoir, cher confrère. Au revoir. À bientôt. Thank you.
Steve Lafitte au micro. Je vais maintenant vous résumer la première partie de l'histoire que nous vous racontons aujourd'hui. Il s'agit du récit d'une mission que nous avions effectuée, mon coéquipier Jésus et moi, en Amérique du Sud, plus exactement à Buenos Aires. Il ne s'agit pas d'une affaire récente, puisqu'elle a été une des premières missions que Jésus et moi avons faites ensemble. Cela s'est passé en 1955. Le vieux, le patron de notre service, nous avait envoyé en Argentine pour détecter là-bas la présence d'Emmerich Kramer, criminel de guerre nazi, et, si possible, le ramener vivant en France pour le juger sur notre sol. Kramer était responsable de la mort de centaines de milliers de Français pendant la guerre de 1939-1945. Dès notre arrivée à Buenos Aires, Jésus et moi avons pris contact avec notre antenne locale. Celle-ci suspectait trois hommes, trois ressortissants d'origine allemande, d'être Emmerich Kramer et de se dissimuler sous une identité d'emprunt. Le signalement de chacun de ces trois hommes correspondait à celui de Kramer et de plus, comme Kramer, chacun de ces trois hommes boitait légèrement de la jambe gauche. Mais entre une photo prise en 1945 et l'apparence d'un homme 10 ans plus tard, il y a fatalement des différences, et il nous fallait agir avec tact et prudence. Les noms de ces trois hommes, Franz Gebhardt, Dieter Schmidt et Ludwig Müller. Jusqu'ici, nous en avions rencontré un, Franz Gebhardt, établi antiquaire dans le centre de la ville. Veuf, Franz Gebhardt prétendait avoir fui le régime nazi en 1943 avec sa femme Greta, être passé par la Suisse et l'Espagne avant de s'installer en Argentine. C'est elle, Greta, qui avait eu l'idée d'ouvrir un commerce d'antiquités, toujours selon les dires de Gebhardt, et sa femme serait morte 2 ans plus tôt, en 1953, d'une maladie de cœur. Quant à sa claudication, il l'attribuait à un accident d'auto survenu en 1937. Disait-il la vérité? Il était encore trop tôt pour en juger, d'autant que nous avions encore 2 suspects à interroger. Bon, je me suis renseigné un peu, et en ce qui concerne le second de notre liste, le dénommé Dieter Schmidt, eh bien lui, comme Gebhardt, il boitille de la jambe gauche. Il a la même corpulence, et il a aussi l'air d'un homme d'une 50aine d'années. Mais enfin, voilà. Bref, ils ont tout de commun, non? Non, pas tout, pas tout. Lui, Schmidt, n'est pas veuf. Sa femme est encore vivante? Ben, s'il n'est pas veuf, oui. Oui, enfin... Excuse-moi, mais enfin, rien dans nos renseignements ne laisse supposer que Mme Emmerich Kramer est morte. Oui, mais le hic n'est pas là, Steve. La femme de Schmidt prétend s'appeler Hilda Kettelmann de son nom de jeune fille. Oh, oui, mais enfin, c'est peut-être une fausse identité également. Ben, peut-être, mais ce sont 2 jeunes mariés, ou presque.
Qu'est-ce que tu dis? Dieter Schmidt et Hilda Kettelmann se sont mariés le 16 septembre 1947 à Buenos Aires. Eh ben, t'as bien fait de louer une voiture. Oh, tu parles. Quand j'ai vu comment on conduisait les taxis ici. Ah, tu l'as dit, comme des dingues. Et pas seulement les taxis, du reste. Tu sais où on va? Oui. Nous sommes arrivés à Avellaneda. À la prochaine quadra, je tourne à droite. Après, c'est une série de petits pavillons, je sais où c'est. J'ai tout noté. Remarque bien que si dans les renseignements dont nous disposons... rien ne laisse supposer que Madame Emmerich Kramer soit morte. Rien ne laisse supposer non plus qu'elle est vivante. Ah, c'est pas logique, ça? C'est logique. Mais où veux-tu en venir? Supposons que Emmerich Kramer ait réussi à s'enfuir et à parvenir, si tu veux, en 45 ou en 46 à Buenos Aires. Oui, si tu veux. Bon, alors supposons que Madame Kramer, née von Unzingen, elle n'y ait pas réussi. Et qu'elle soit morte en chemin. Supposons toujours que Kramer... donc devenu veuf, et pris ici une autre identité. Oui. Tu me suis? Oui, oui, je te suis. Par exemple, qui ait pris l'identité de Monsieur Dieter Schmidt. Oui, alors? Eh bien, qui aurait pu empêcher Emmerich Kramer, alias Dieter Schmidt et veuf, de convoler en seconde noce avec une compatriote à lui également exilée dans ce pays? Ah, oui. Oui, pas bête, évidemment. Donc, d'après toi... Bon, d'après moi, ça ne prouve rien, non? L'état matrimonial ne constitue pas pour nous un indice suffisant. Ouais, célibataire, veuf, marié, remarié, bigame, enfin tout ce que tu veux, c'est du pareil au même. Il y a tellement de choses, on peut se passer en 10 ans. Et puis de toute façon, on ne nous dit pas obligatoirement la vérité. Et tu as raison, Jésus, dans cette histoire, on avance plutôt à l'aveuglette. Eh, c'est pas une raison pour en faire autant en voiture. Hein. Porte des lunettes, hein, je t'y autorise. Justement, regarde là-bas. Quoi? Eh bien, c'est la petite maison. Tu vois? Oui. Et je vois même aussi qu'on nous a peut-être devancé. Il y a une camionnette qui s'est arrêtée devant la grille. Qu'est-ce que c'est? Rien de bien mystérieux, en fait. C'est une camionnette de... attendez, livreur de fleurs, hein? Oui, exact. Le livreur descend de sa voiture avec un bouquet. Oulala, tu as le bouquet? Ah oui. Énorme, ce bouquet. Hein? Le livreur sonne, c'est normal. Tu lis d'ici, toi? Attends. Oui, bon anniversaire. Ça y est. On lui a ouvert la grille. On lui ouvre la porte. Il tend le bouquet. Pour boire. Il repart. Et ben voilà. Et ben mon vieux Steve, hein, si tu veux tout savoir, je vais te dire une chose, moi. J'ai connu des événements plus palpitants dans ma vie. Oui, je dois reconnaître que moi aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire comme le livreur. On va sonner à la grille. Allons-y. Monsieur Schmidt, Dieter Schmidt. C'est bien ici. Pourrions-nous le voir? Mon mari n'est pas là, il n'est pas encore rentré de son travail. C'est à quel sujet? Je vais peut-être lui faire la commission. C'est que nous aimerions pouvoir bavarder éventuellement avec lui. Oui, nous représentons la maison Fiat. Nous faisons des sondages à propos de la main-d'œuvre dont nous pourrions disposer au cas où nous installerions à Buenos Aires. Vous êtes italien? Oui, madame. Entrez, messieurs. Mon mari ne va pas tarder. Merci. Asseyez-vous, messieurs. Pardon. Merci, madame. Merci. Pardon. Vous voulez déjà un apéritif? Du Porto? Du Porto. Ah, oh, si vous monsieur en prenez, vous en... d'accord, oui. Non, je tremperai les lèvres. Ainsi, vous êtes de chez Fiat? Oui, madame, oui. Votre mari est bien contremaître à l'usine Mercedes-Benz.
C'est cela. Oui, la main-d'œuvre spécialisée est rare ici. Elle est très rare. Moi, qui le dites-vous? Bon. Ah, oh, merci. Merci bien. Non, je vous en prie. Votre santé. Vous paraissez inquiète, madame. Moi, je suis toujours inquiète quand on n'est pas à l'heure. Il a 5 minutes de retard. Votre mari? Non, lui, il arrive à la demi-pile. Mais Carlos. Carlos? Mon fils. Ah, vous avez un fils. Un fils avec Monsieur Smith. Oui. Tant qu'à faire, j'ai préféré avoir un enfant avec mon mari. Oui, non, excusez-moi. Je pose des questions. Oui, je sais. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Pardonnez-moi, non. Parce que vous auriez pu avoir un fils, je ne sais pas moi, d'un premier mariage, par exemple. Oui, oui, c'est évident. Seulement voilà, je ne suis pas tout le temps en train d'épouser les hommes. Et puis mon mariage avec Dieter est mon unique et seul mariage. Et lui? Bah, lui aussi, évidemment. Nous ne sommes pas des vedettes de cinéma américain. Votre fils travaille aussi chez Mercedes? À son âge, il serait drôlement en avance. Ah oui? Quel âge a-t-il? 7 ans, monsieur. Ah oui, en effet. Il va à l'école. Comme chaque jour, j'attends qu'il revienne. Je suis follement anxieuse quand il a 2 minutes de retard. Bon, l'école est pourtant tout près, à 2 minutes d'ici, il n'y a pas de circulation. Ah, vous savez, je suis comme toutes les mères, je m'affole pour un rien. Ah, encore ma nervosité. C'est bien naturel, madame. Et votre fils est bon élève? Carlos? Oh, oui et non. Brillant quand il veut, mais dissipé aussi par moments. Eh bien, figurez-vous, j'étais comme ça, moi aussi. Ah. Et croyez-moi, non, croyez-moi, ça n'empêche pas ensuite de bien mener sa barque dans la vie. Ah. Oui, oui, oui. Mais, vous savez, il est verni de naissance. Comment ça, verni de naissance? Bah oui, forcément, un sagittaire. Tout le monde sait ça. Ah, vous êtes sagittaire, monsieur. Mais, oui. Mais ça, c'est inouï, figurez-vous que nous aussi. Non. Oui. Vous êtes sagittaire aussi. Oui, nous sommes tous les 3 sagittaires. Ah. Dieter, moi, et notre petit Carlos également. Ah, ça, c'est extraordinaire. Et quel décan? Carlos du premier. Oui. Et Dieter et moi du dernier. Ah, eh bien, moi du second. Ah. Oui, du second. Bon, qu'importe, d'ailleurs. C'est pareil. Non, ne vous en faites pas pour Carlos. Il aura des hauts et des bas dans l'existence, mais comme tous les sagittaires, il retombera toujours sur ses pieds. Mais je l'espère bien pour lui. Ah, vous permettez, messieurs? Mais je vous en prie, madame. Il est bon, ce porte. Oui? Oui, mon chéri. Ah, bon, parfait, parfait. Tu as eu raison de me prévenir. Oui, mon chéri, merci. Mais je t'embrasse. Oh, mais bien entendu, tout sera prêt sur la table. Non? Non, pas encore. Non, il ne va pas tarder maintenant. Si, il y a 2 messieurs de chez Fiat ici. Oui, il faudrait bien le voir. Ils vont peut-être créer une succursale ici et ils cherchent des spécialistes. Bien. Je leur dirai. À tout à l'heure, mon chéri. C'était Dieter. Ah. Oui, on vient seulement de les prévenir qu'ils ont eu des heures supplémentaires cette semaine. Alors aujourd'hui et demain, ils rentreront un peu plus tard. Excusez-le, messieurs. Eh bien, c'est nous qui nous excusons, madame. Nous repasserons lundi. Voici notre carte. Merci. Je vous raccompagne. Pardon. Ah, le voilà, mon petit Carlos. Ça nous rallonge. Oh, Carlos, ne tournons pas comme ça. Enfin, voyons, Carlos. Bien. À bientôt, madame Schmidt. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Excusez-moi, messieurs, vous n'avez pas un peu de feu, s'il vous plaît? Du feu? Si, si. Tenez. Voilà. Merci. Eh bien, vous êtes content? Vous avez du feu, maintenant. Au revoir, monsieur. Ne partez pas si vite. Mais monsieur a raison, Jésus ne part pas si vite. On pourrait très bien bavarder tous les 3, non? Ah oui, c'est une idée, ça. Qui cherchez-vous? Mais ma parole, c'est le refrain populaire, ici. Sur un air de tango, évidemment. Non, sans plaisanter, après qui en avez-vous? Eh bien, si on vous le demande... Ah, vous... Jésus, un peu de correction, je te prie. Vous êtes français? Oui. Moi, soviétique. Ah, enchanté. Je suis ravi, positivement ravi, mais
Je voudrais une assurance de votre part. Mais dites toujours. Jurez-moi que vous ne recherchez pas Karl Steiner. Karl Steiner? Oui, celui-là, il est pour moi. Eh bien, on vous le laisse. Parfait. Au revoir, cher confrère. Au revoir. Dans une année. Monsieur Muller, s'il vous plaît. C'est ici. Entrez donc, je vous en prie. Mais je vous en prie, merci. Hein? Oui. Mais elle est charmante, j'ai vu. Il y a deux messieurs qui désirent te voir. Quelle nationalité? Nous sommes italiens. Ces messieurs disent qu'ils sont italiens. Je ne veux pas voir d'italiens. Non, c'est une plaisanterie. En réalité, nous sommes français. Ces messieurs disent qu'ils sont français. Français? Français? Oui. Enfin, les Français. Oh, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur, mais vous aimez tant les Français, monsieur Muller? Je suis Français. Pardon? Je suis Français. Ah, vous êtes... Non, mais expliquez-nous, monsieur Muller. Et d'abord, m'appelez pas Muller, hein? Non, mon nom, c'est Blondin. Gaston Blondin, vous entendez? Blondin. Ah oui, ça, j'entends. Oui. N'est-ce pas que je m'appelle Blondin, chérie? Oui, Ludwig. Ah, Ludwig Blondin, alors? Non, pas oui, Ludwig. Oui, Gaston. Oui, Gaston. Oui, allez, va. Elle est jolie, mais elle est complètement idiote. Oui, ça, je l'ai vu. Elle est à mon service depuis que je suis ici. N'est-ce pas, Consuelo? Oui, mon chéri. Elle est charmante. Oui. Dans ce cas, cher monsieur Blondin, pourquoi vous faites-vous appeler Muller? Ah, c'est que je suis arrivé ici avec des papiers à ce nom-là. Oh, ça, c'est toute une histoire. Ah bon, ben, non, allez-y. On a tout le temps. Vous permettez, on va s'asseoir. Je vous en prie. Pardon, merci. Viens, prends le fauteuil. Mais faut vous dire aussi que je suis pas blanc comme neige, hein. Ça, je l'avoue. Mais que voulez-vous, moi j'ai toujours été un baroudeur. Pas un politique, hein. Oui. Un baroudeur. Vous faites la nuance. Bien sûr. Il n'y a rien à boire chez vous, des fois. Attendez. Consuelo. Oui. Va la voir. Oui, ben, en 40, j'ai été fait prisonnier à Dunkerque. Et de là, on m'a embarqué dans le train et je me suis retrouvé dans un stalag. Du côté de Brême. Merci. On s'emmerdait dans ce camp. Oui. Ah, mais alors, vous pouvez pas savoir à quel point on s'emmerdait. Hein. Alors, quand le Guignol a déclaré la guerre aux Russes, moi, j'ai demandé à m'engager dans les troupes allemandes. Bon, c'était pas méchant de ma part. C'était histoire de bouger un peu, quoi. De pas rester enfermé toute ma vie. Ça a pris du temps, mais ils ont fini par prendre ma demande en considération. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le front de l'Est et avec l'uniforme vert de gris. Eh ben, dis donc. C'est passionnant, votre histoire. Hein? Oui. Ah oui, c'est passionnant. Ça me fait penser à... Tintin et Milou. Ah ben, c'est mieux que ça. Vous allez voir, j'ai pas fini. Attends, mais bon, on vous écoute, vous permettez. Une goutte seulement. Oui. Là, comme ça. Voilà, merci. D'abord, ça a bien marché. Oui, on gagnait. Oui. Pardon. Et puis alors, après, il y a eu le premier hiver. Et là, ça a commencé à pas bien marcher du tout. Oui. Non, parce que moi, le froid, hein, je supporte mal. Oui. Et puis, entre-temps, je m'étais fait un copain parmi les chevelus, dans ma compagnie. Oui. Oui, un dénommé Finke Friedrich. Oui, Fimke, lui, il s'était pas engagé. Il avait été mobilisé, et la guerre, ça lui plaisait pas tellement. Alors, un jour, en plein été 43, il a décidé de déserter. Et il m'a proposé de l'accompagner. Alors moi, je commençais à en avoir marre aussi. Alors, j'ai dit oui. Et vous avez réussi à déserter? Oui, ça n'a pas été commode, mais on a réussi. Faut vous dire que le Friedrich en question, il était drôlement débrouillard. Hein. On a traversé toute l'Allemagne sans histoire. Avec des vêtements civils. Non. Oui, on était censé être deux pasteurs protestants. Oui, moi, j'avais pris le nom de Muller. Oui, Friedrich m'avait fait établir des papiers à ce nom-là. Alors, c'était moins risqué que mon nom de Blondin. Hein. D'autant que j'étais, moi, Blondin, un déserteur de l'armée allemande. Vous comprenez? Oui, on a compris. Oui, ça, on comprend. C'est amusant. Oui. Alors, bon. D'Allemagne, on est passé en Italie. Oui. Alors, à Naples, Friedrich, il a enfin déniché une combine. Deux places à la soute dans un bateau neutre. Oui, un Panaméen qui partait pour l'Amérique. Non. Oh, on n'était pas les seuls comme ça. À bord. Oh, il y avait pas mal d'Allemands qui commençaient à, en douce, à se débiner d'Europe.
Il suffisait de faire attention, de pas être bavard, et moi, vous commencez à me connaître. Hein. Ah oui, oui, oui. Et puis alors, ça y est. Et puis, ça a été. Oui. C'est comme ça qu'un beau matin, on a débarqué dans le port de Buenos Aires, et c'est comme ça que je suis toujours là. Et voilà. Encore une goutte. Et Frédéric. Ah ben lui, il a pas eu de peau. Non, il est mort 6 mois après notre arrivée. La froide. Non, la tuberculose, il avait attrapé ça en Russie. Ah bah oui. Ah, puis il y a eu affaire pour le sauver. Hein. Et vous, la santé, ça va? Ouais, ça va. Ah, bon. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps, là, enfin, de 1944 à nos jours? Ah ben, je me suis débrouillé. Quand ce félon est serveuse dans une cafétéria, elle m'aide à vivre. Ah oui, vous buvez du café. Oui, je me suis débrouillé, quoi. Consuelo est serveuse dans une cafétéria. Non, mais on avait compris, vous venez de nous le dire, ça. Elle m'aide à vivre. Pas vrai, Consuelo? Oui, mon chéri. Dites-moi, pourquoi êtes-vous si heureux de retrouver des Français? Ah bah dites donc, un peu que je suis heureux, oui. Parce que figurez-vous que depuis ce temps-là, moi, tout le monde me prend pour un Allemand. Et j'en ai marre. Je voudrais bien redevenir Français. Alors, dites-moi, puisque vous êtes ici, et que vous allez repartir, si vous pouviez m'aider un peu. Mais, vous aidez comme ça? Ah oui, quoi, plaider en ma faveur. Vous prenez, je me sens un peu péteux, moi, comme on dit. Mais je vais vous dire, ce que j'ai fait, j'ai rien fait de vraiment mal, mais j'ai quand même porté l'uniforme de la Wehrmacht. Si vous emportez mon dossier en France, on pourrait peut-être me juger avec des circonstances atténuantes, non? Vous voyez pas? Oui, vous voudriez changer de costume, quoi. Enfin, faites ça pour moi, messieurs, je vous en plais. Oh, bah, je suis qu'un pauvre baroudeur, moi. Pas un criminel, hein, pas un nazi, messieurs. Rien qu'un pauvre baroudeur. Bon, enfin, ça va. Bon, eh bien, on va réfléchir. Bah, ça, je vous remercie, messieurs. Bon, alors, tenez, voilà notre numéro de téléphone. Hein. Vous allez nous appeler demain matin. Je vous remercie, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Hein. Ça, encore un coup? Non, ça va. On n'a plus soif. Vous n'avez pas un peu de feu, s'il vous plaît, messieurs? Eh bien, volontiers. Tenez, merci. Merci, messieurs. Beau temps, n'est-ce pas? Ah, superbe. Ah oui, il fait beau. Mais vous ne nous demandez pas qui nous cherchons? Inutile. Pardon? Je dis inutile, je le sais. Eh bien, celui-là, au moins, il nous surprend. Et vous êtes quoi, au juste, monsieur? Russe? Anglais? Israélien? Américain? Non, messieurs. Je vais énormément vous surprendre. Moi, je suis argentin. Ah, mais en effet, oui. Je me demande même si vous n'êtes pas le premier argentin que je vois en Argentine. Je suis un policier argentin. Félicitations. Et vous êtes français, n'est-ce pas, messieurs? Ah, ça, on ne peut rien vous cacher. J'aimerais précisément obtenir de vous une certaine assurance. Laquelle? Faites votre travail. Mais surtout, faites-le le plus discrètement possible. Ne faites pas trop de chambard. Hein? Merci d'avance. Et adieu, mes chers confrères. Adieu. Allô, oui, j'écoute. Allô, ici Consuelo, l'ami de Ludwig Müller. Oui, je me souviens parfaitement. Je vous téléphone de la cafétéria où je travaille. Faut pas croire tout ce que vous a dit Ludwig tout à l'heure. Il dit n'importe quoi. Ludwig est fou et il ne s'appelle pas Blondin. Il s'appelle Müller. Au revoir, monsieur. Alors, Steve, qu'est-ce que tu penses de ça? Un des trois suspects est effectivement Heinrich Kramer, et nous le kidnappons ce soir, mon cher. Ah? Hmm? Ce soir.
toute façon, il fallait attendre la nuit. Ah oui, mais s'il sort pas de chez lui... Oui, ça m'étonnerait. C'est une habitude qu'il a. Chaque dimanche soir, il sort faire une promenade à pied dans la rue, d'une heure environ. Après, il rentre tranquillement chez lui. Jésus. Oui? C'est bientôt l'heure. Ouvre ta portière doucement. Tiens la poignée. Ok. Quelle heure as-tu? Presque 10 heures. Oui, mais heureusement qu'à cette heure-ci, c'est pas trop passant comme endroit. Bon, on aurait trouvé un autre moyen. Le voilà, il sort de chez lui. J'y vais. Pardon, monsieur, vous n'arrivez pas le feu, s'il vous plaît. Merci. Oh! Allez, vite! Allez, vite! Aide-moi à le tirer! Vite, foutons le camp! Bravo, Jésus, tu n'as pas perdu la main. Ah, je l'ai eu, le coup du lapin. Hein. Classique, mais efficace. Il suffit de viser juste. Comment est-il? Ben, il respire normalement, il va pas tarder à se réveiller. Hein? Il revient à lui. Kramer! Kramer! On va faire un long voyage tous les trois. Aujourd'hui, j'ai 3 questions à vous poser. 3. C'est-à-dire autant qu'il existait de suspects dans cette affaire. Suspects dont, du reste, je vous rappelle les noms. Franz Gebhardt, Dieter Schmidt et Ludwig Müller. Voici donc ces 3 questions. Premièrement, qui est de ces 3 noms? Qui est l'ancien SS Heinrich Kramer? Deuxièmement, quel est l'indice qui nous a permis de le confondre? Troisièmement, cet indice a servi dans une affaire authentique, une affaire d'espionnage, une affaire célèbre, dont tous les journaux à l'époque ont parlé. Ma 3e question est la suivante. De quelle affaire réelle, de quelle affaire authentique s'agit-il? Voilà, vous avez compris, je repose les 3 questions. Premièrement, qui est de ces 3 noms, Franz Gebhardt, Dieter Schmidt, et Ludwig Müller, qui est l'ancien SS Heinrich Kramer. Deuxièmement, quel est l'indice qui nous a permis de le confondre? Troisièmement, cet indice a servi dans une affaire authentique, une affaire d'espionnage, une affaire célèbre dont tous les journaux à l'époque ont parlé. Donc la 3e question est la suivante. De quelle affaire réelle, de quelle affaire authentique s'agit-il? À vous de trouver. Ah, eh bien maintenant, voici, chers amis, les réponses à l'énigme d'aujourd'hui. Il y avait 3 questions, si ma mémoire est bonne. Oui, 1, 2, 3, c'est ça. Eh bien, 1ère question. Qui est des 3 suspects Heinrich Kramer? Réponse, c'est celui qui prétendait s'appeler Dieter Schmidt. 2ème question. Pourquoi? Quel est l'indice qui nous a permis de le confondre? Eh bien, il s'agit d'un indice matériel. Mais vous vous souvenez du fleuriste? Eh bien, la gerbe de fleurs qui est arrivée au domicile des époux Schmitt avec la mention « Bon anniversaire » est l'indice qui nous a permis de le confondre. Oui, cet anniversaire ne correspond à rien chez les Schmitt. Les 3 membres de la famille sont sagittaires, vous vous rappelez. Donc, nés soit en novembre, soit en décembre. Les époux Schmitt, de plus, affirment s'être mariés en octobre 1947 à Buenos Aires. Je dis bien en octobre. Par contre, à l'époque du récit, c'est-à-dire juillet, cet anniversaire pourrait s'expliquer, mais dans la famille Kramer. C'est en effet le 10 juillet 1935 que Heinrich Kramer a épousé à Berlin Gertrude von Unzigen. Juillet 1935, 20 ans de mariage. Et on voit mal pourquoi les Schmitt fêteraient les 20 ans de mariage des Kramer. À moins, bien sûr, qu'ils ne soient eux-mêmes les Kramer, ce qui est le cas.
Voilà, la réponse à la deuxième question. Alors, j'en arrive très vite à notre troisième et dernière question. Oui, c'est en fait l'indice dont je viens de vous parler a servi dans la réalité, dans la vie. Il a servi à conclure une affaire réelle. Et nous vous demandions en effet de citer le nom de cette affaire célèbre. Eh bien, il s'agit de l'enlèvement d'Adolf Eichmann en 1960 et en Argentine par les services secrets israéliens, qui, dans l'histoire de l'espionnage, restera un des plus beaux coups de maître jamais tentés et, du reste, jamais réussi. Et oui, c'est parce que Eichmann, le bourreau de 6 millions de juifs, a commis la même erreur qu'il s'est vu identifier par le commando secret lancé à ses trousses. Alors qu'il vivait avec sa femme sous le nom de Monsieur et Madame Clément, il avait fêté l'anniversaire de mariage de Monsieur et Madame Eichmann. Les agents secrets israéliens l'ont kidnappé et amené jusqu'en Israël, où il a été jugé et condamné à mort. Eh bien, vous voyez comme quoi un tout petit détail peut faire prendre un grand criminel.